Yo les frérots, salut direct, j'espère que vous allez bien les refs. Aujourd'hui ça va être une vidéo sans tenta exo. Merci les gars, tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux. C'est motivant de ouf, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter. Je rappelle les gars que sur chacune de mes vidéos les gars, je fais gagner jusqu'à 5000 Kama Cash sous forme de roulette à Kama. Pour participer c'est simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, de commenter, de liker la vidéo. Bref, c'est ultra simple, tout le monde peut participer, enfin tous les gens qui me soutiennent peuvent participer, donc voilà, ça fait plaisir. Concernant les jets, les gars, j'ai tout revu à la hausse. Il y a désormais des jets minimum qui doivent. En fait, j'ai fixé des jets minimum pour vraiment que quand vous regardez la tentative exo, vous êtes en train de kiffer, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, le mec s'est donné les moyens de faire un bon jet, tu vois. C'est pas en mode t'as capté. Pareil, les pilots 8 dos, ça n'existe pas dans cette série-là parce que les gars, actuellement, je suis en train de chercher des pilots 10 dos, enfin, que j'aimerais bien faire pour ma team. Là, je vous mets quelques exemples de jets que vous allez pouvoir retrouver. Hein. Donc, on est sur du full perf. Ici, pareil, encore du full perf. Moi, bon, je ne vais pas trop vous spoil. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez en début de vidéo, si je vous montre les plus gros jets, etc. et tout qu'il y a dans la série. Ou vous préférez justement les découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Sachant que là, j'ai tout revu à la hausse. Pareil pour les Valets Vénards, il n'y a plus de 30 sassas. C'est 35 sassas minimum. Les Alliance Blorson, pareil, c'est du 35 sassas minimum. Il y a une 12 dos à 7 GFAT ici, par exemple. Tac. Je vous affiche ça ici. Bref, je vais pas tout vous faire. Hein. Vous voyez, quand je passe la souris dessus, il y a des 10 dos, du 9. Bref, franchement, il n'y a rien à redire. C'est vraiment des jets assez fat. Matez-moi ce petit fond marin, les gars. Full tac, full esquive PM. Full dommage, moins 1 de sassa, moins 1 de chance, moins 7 de vita, 2% de résistance feu, eau, pardon. Et je vais le passer, je pense, en invocation ou en dommage sort, je vais voir. Bref, dites-moi ce que vous préférez dans la barre des commentaires. J'hésite aussi, les gars, à vous faire une série. Je vais faire un sondage juste après cette vidéo, n'hésitez pas à y répondre. Une série qui pourrait, je pense, vous intéresser du style partir de, je sais pas, partir de 50 millions, arriver à 200 millions, ou partir de 100 millions, arriver à 1 milliard, ou des trucs comme ça. Bon, j'ai peut-être un peu abusé là pour avoir au milliard. Mais vous avez compris un petit peu la logique, avec des thèmes bien précis, par exemple qu'avec de la forge magique, qu'avec en ayant une boss des Kama, en n'ayant pas monté le métier, etc. Vraiment en se démarrant de zéro, entre guillemets, en termes de métier dessus. Donc ça permettrait en fait de me faire des vidéos sur les métiers, comment les rentabiliser au maximum. Parce qu'il faut savoir que les métiers de FM, les gars, c'est ultra, ultra rentable. Si t'as un petit peu du temps à perdre et que tu touches ta vie un petit peu en forge magie et que t'es pas trop con, il y a moyen de te faire des gros bifetons, comme on dit dans le milieu. Bref, comme ça, ça s'est dit. On se dit rendez-vous à l'atelier de Brakmar. Et puis, let's go. A tout de suite, les refs. Du coup, les frérots, on est parti. On va commencer par les pilots. Et sachant qu'il m'en faudrait un, si possible. C'est pas trop demandé. Donc là, c'est que du G. Donc, pareil, pour les pilots austères, c'est que du 9 dos désormais minimum. Donc, je précise, j'ai minimum sur les pilots austères. 9 dommages avec 45 de puissance minimum et 290 de vita minimum. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oula, magnifique Dido avec un over de 10 d'initiative. Let's go. En plus, j'ai vraiment besoin d'un Dido. Ça me saoule là de pas en passer. Tac, 9 do. Ok. Vous voyez, les jets sont vraiment très, 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 très propres. On va pas se mytho. Ok, une ligne à 10, une ligne à 9. 49, 294. Ok. D'ailleurs, les gars, n'oubliez pas, dites-moi dans la barre des commentaires avant de commencer la vidéo combien, selon vous, vous pensez que je vais passer d'exo. Moi, je dirais 2-3. Là, je me sens bien. Donc là, c'est un Dido avec une ligne à 9 ici. Ok, j'ai sympa. C'est pas. 9 do. Alors, on enchaîne assez rapidement. 290. Ok. D'ailleurs, les gars, ouh, j'ai perf. On le tente maintenant. Hein. On va pas faire de suspense plus long que ça. Ouais, il est full perf. C'est tellement beau à voir, je trouve, les stats full perf. Je sais pas, moi, ça me fait kiffer. C'est parti, 1, 2, 3. Et rip. Encore un Dido. Ouh, la Vita 287 ici. Ouais, bon, quand je dis 290 minimum, j'avoue que des fois, quand c'est 286, 287 et que c'est en Dido, je laisse, tu vois. Il n'y a que quand c'est en 9 Dido que généralement je laisse pas. Bref, t'as capté. On va tenter de remettre la PO. Allez. Ok, ça ne passe pas, on remet les runes PA. Pas très grave. 9 dos. Très bon jeu en 9 dos là. Ok. 10 dos. J'ai très très propre. Passe pas. Ok. Tentative PM. Donc il y a encore un très très gros jet avec un over de dommage. De 1 dommage critique, pardon. Let's go. Ça ne passe pas. On tourne sur les runes PA. Tac. Allez. 9 dos. Ok. 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 Tranquille. 9 dos. Ça ne passe pas. Encore du 9 dos.
Franchement, même les 9 dos, quand je les regarde, là, honnêtement, je trouve que les jets sont vraiment sympathiques. 235, tac, tac, tac. Tac. Ok, ici, c'est un 9 dos avec une ligne à 10 en dommage neutre. Et il a un over de 4 vitalité. Assez sympathique. Ça fait un petit côté sexy sur l'item. Let's go. Et dommage. Matez-moi ce jet, les gars. Matez-moi ce jet, les gars. 48 de puissance, full dido, avec un over de 2 dommages critiques. Si ça passe sur lui, les gars, j'en aurais besoin personnellement. Ce serait juste insane. 1, 2, 3. Allez, la chatte à Mireille. Malheureusement, ça ne passe pas. Ok. Rune PA, let's go. C'est toujours pas. Et 9 d'eau. Toujours rien. Encore du 9 d'eau. On a un très très beau dido ici avec moins 6 de vita, moins 2 de puissance. Let's go. Ça ne passe toujours pas. 237, ok, tac. 9 d'eau qui ne passe pas. Encore un joli 9 d'eau. 48 de puissance, 295 de vitalité. Pourquoi pas? Eh ben non. Ah, franchement, les jets sont propres. Hein, sont très très propres. Toujours rien. Allez, on enchaîne. Toujours rien. Du 9 d'eau. Toujours pas. Un bon petit dido. Encore une fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai entre guillemets minimisé la vita. C'est pas très très important. Surtout qu'il y a le dido, ça compense largement. Et surtout que c'est pour un besoin personnel, les gars. Le dido, s'il passe, c'est dans ma poche. C'est pas pour la revente. Ok, 9 d'eau. 9 dommages. Perf en termes de puissance, c'est moins 1 de vita. Sexy, sexy. Let's go. Encore un gros dido. Putain, ça me fait plaisir. Franchement, dites-moi les gars si ça vous fait kiffer quand vous voyez ça. Au moment que vous regardez la vidéo, si vous kiffez en voyant les jets. Moi, personnellement, là, je trouve que je suis dans le haut du panier. Là, on va pas se mytho les refs. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'ailleurs, les gars, merci à vous. C'est vous qui me motivez de ouf à sortir des gros trucs, tu vois. Tac, 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 tac. Ok. Ok, donc là, ici, on va faire une tentative PM. Dommage pour la ligne de notes. Bon, c'est pas très important. 48, 294. Let's go. On passe pas. Un plaisir. Un petit 9 d'eau. Et ouais, je disais par rapport aux stats, tous les items ont été revus à la hausse. Donc, je vais. Là, on a étudié un peu le pilon. On va faire juste après les Valets Vénards, je pense. Tac. Toujours rien. Toujours pas. Voilà, un petit 9 d'eau. J'ai un petit peu fragile. 46-291. Et... Waouh. Je l'avais oublié celui-ci. Donc putain, ça me fait chier si j'ai pas de pilo. J'en ai besoin personnellement. Fait chier. 300 de vitalité. Moins 1 de vita. Bah, c'est simple. Moins 1 de vita. Plus 10 d'ini. Le reste est full perf. Rien à redire. 1. 2. 3. Et rip Mireille. Oula, on a un G perf sur le Valet Vénard. On va faire les Valets Vénards maintenant. Let's go. Donc pareil. Concernant... on va le tapasser maintenant. Concernant les G des Valets Vénards, pareil, ça a été revu à la hausse. Du coup, c'est du 290 de vitalité désormais minimum, 55 d'agilité et 35 de sasa minimum. Donc autant vous dire, là, c'est plus la même qu'avant, parce que mettre 35 de sasa minimum, même si elle a le PO, etc., bah, il faut un petit peu plus charbonner. Sachant que je regarde toujours le 15 dommages R au maximum, 10% de résistance terre max, les esquives PM au max, les résistances poussées au max. Donc ça fait extrêmement plaisir. Allez, on va tenter sur ce gros G. 1, 2, 3. Dommage. Tac. Allez, c'est parti Mireille. C'est parti, c'est parti. Donc là, on est sur un G minimum. tac. Ok. D'ailleurs, les gars, pareil, je sais pas si je l'ai dit. Ouais, je crois que j'avais fait l'intro, je l'ai dit. Je vais mettre un petit sondage juste après cette vidéo-là. N'hésitez pas à y répondre pour faire une série sur spécial Forge Magie, devenir riche par la FM, je pense. D'une base de Kama avec les métiers à zéro sur un personnage et de potentiellement monter jusqu'à une certaine somme de Kama. Et pourquoi pas poursuivre si ça vous plaît. Mais je filmerai tout, c'est-à-dire mes achats de ressources, les ventes des items, bref, tout sera. Vous aurez des comptes rendus bien détaillés, tu vois. Donc voilà, 315-60. Très beau jet, donc ça sera une tenta. PM, 1, 2, 3. Et rip. Allez, on enchaîne. Donc les gars, pareil. Hein. En ce moment, je suis pas trop en mode vidéo, etc. C'est pas que je vous oublie, les gars. C'est que je suis en train de gérer pas mal de paperasse IRL. Du coup, bah, j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos.
Mais normalement, à partir du mois prochain, ça va revenir très 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 fort avec des séries, des nouvelles aventures et tout. Vous allez kiffer de ouf, je pense. Voilà. C'est un peu pour vous tenir un peu informé. On a enchaîné pas mal d'échecs, là. Waouh. Attends, ici, il y a 50 anneaux. Waouh. Déjà 60 échecs. Pareil, les gars, dans la vidéo, je crois que j'ai mis 100 tentes exo, mais je crois qu'il a un peu plus de... Il doit avoir 106 ou 105 items, je sais plus trop. Bon, c'est pas très grave. Je pense que vous m'en voulez pas trop pour ça. On va passer aux pas de greffe. Les pas de greffe, les gars, j'ai magnifique. Donc, le G minimum concernant les pas de greffe, pardon, c'est du 90 vitalité minimum, 55-55, 35 ça minimum, et le reste toujours en full perf. Donc, toujours, tu verras toujours du dommage critique à 12, les résistances R et R, les repères O aussi à fond. Bref, c'est du très très gros G, honnêtement. Donc, voilà. C'est de la qualité, les frérots. Oh! What? Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh le G, il est monstrueux! Oh la 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 la! Oh les frères, le G, il est monstrueux! Putain, comme quoi c'est récompensé! C'est récompensé! Je me donne du mal à FM, tout ça, les frérots! Je vous le partage, etc. Oh, c'est récompensé de ouf là! Oh le G, il est magnifique! Le G est magnifique, les frères! Il y a full perf, il est full perf, il est maxé à fond, il y a 2 de sa en moins, 2 d'agi, il a un over, enfin, et le reste est full max. Il est signé, rassure-moi. Oh, il est signé en plus. Oh là là, avec le petit over sexy de 11 vitalité. Oh là là, je suis bien. Oh, je suis content, les gars. Bombardez-moi la barre des likes, s'il vous plaît, les refs. Partagez, les gars, partagez à fond. Ça me fait extrêmement plaisir. On va rien lâcher. Waouh. Oh, je suis heureux, je suis grave content. Ah, j'ai une sensation de ouf, là. Ah, ça, j'aime bien. Là, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Oh, il est magnifique, hein. D'ailleurs, les gars, tout de suite, à ceux qui sont à ce moment-là de la vidéo, notez-moi le G, là, sur 10. Moi, je mettrais un petit 8,5, 9 sur 10. Honnêtement, il est assez fat, hein, on va pas se mytho. En plus, il y a la vocation, ouais. Je vérifie, parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. 7-7. Ouais, il est full perf, moins 2 de Sasa, moins 2 d'Agi, avec un over. Full perf, sinon. Rien à redire. Avec la signature. Bon, bref, les gars, on poursuit, ça commence... Bon, là, je vous annonce, les gars, peu importe ce qui va passer dans la vidéo, je m'en fous. Là, c'est une dinguerie. Ce qui vient de passer, c'est une dinguerie. Je suis grave content. Allez, les gars, on enchaîne. Aïe, 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 ça fait plaisir. Tac, tac. Donc, pareil, léger, très, très propre. On enchaîne. Donc, ici, pareil, regardez. Attendez, je vais planquer ça. Tac. Ici, c'est une tentative PM encore. Et regardez, le G, rien à redire. Magnifique. Moins 1 d'agi, moins 2 de Sasa. Il a un over de 2, de 1 dommage critique. Donc, tentative PM, les gars. Magnifique G. Let's go. 1, 2, 3. Oh, le dinguerie! C'est quoi ce délire? Wesh, les refs! Eh, les gars, bombardez-moi la barre des likes, les gars! Si, les gars, j'annonce, les gars! Oh là là! Les gars, si on atteint, les gars, 200 likes sur cette vidéo, les gars, c'est largement possible. Hein. Vu ce qui vient de se produire dans la vidéo, les gars, si on atteint 200 likes, je fais gagner 10 millions cash, les gars. 10 millions cash, je les ferai gagner sous la prochaine vidéo, les gars. Oh, mais là, je suis Gucci énervé! Oh là 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 là! Matez-moi les G qu'on vient de passer! Non, là, c'est trop! Eh les gars, comme quoi, je vous avais dit quoi, je me suis donné du mal à faire les tenta exo, etc. Je me suis donné des objectifs assez hauts en termes de remontée de G, etc. Mais là, ça a payé de ouf. Là, ça a payé de ouf. Pareil, là, on est sur un full perf, moins 5 vita, moins 1 d'agi, moins 2 de Sasa, avec un over de 1 dommage critique, donc excellent pour un cra qui veut farm, tu sais quoi, hein, la reine des voleurs, tout ce que tu veux, bref. Insane. Magnifique, j'ai juste envie de voir s'il est signé. Il est signé. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique, magnifique. Oh là là, pareil les gars, bah pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, donc deux runes après, dites-moi une note sur 10 sur celui-ci. Moi je mettrais un bon petit, pareil, 8,5, 9 hein, sur 10, honnêtement, c'est déjà très 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 gros G. Sachant que sur Agrid, il me semble que en HDV, il n'y en a pas du tout. En termes de 12 dommages critiques, etc., avec des stats aussi hautes, il n'y en a pas du tout. Bref, je suis refait de ouf, les gars. Je prends mon temps de entre guillemets, de savourer le moment là, parce que c'est juste insane. Pff, attendez, les gars, je prends un petit screen d'ailleurs. Tac. Oh, je le prendrai après, je le prendrai sur la vidéo. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Rien à redire, en plus, c'est en vidéo. Pouah, je suis juste content. Désolé si la vidéo elle dure, les gars, mais là, je suis juste content. Je prends mon temps, je savoure, les gars, parce que c'est moi qui ai galéré à remonter les jets d'ailleurs. Et franchement, là, c'est un régal. Un pur plaisir. Oh là 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 là. Mec, t'imagines, tu remontes 100 tentas exo, tu te fais des jets des dingueries, et il y a deux tentas comme ça qui passent. T'es refait, mon pote, là.
Oh là 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 là. Bref, les gars, on poursuit. Non, oh, je vais dire. Je suis max. Je suis max de chez max. Les jets sont juste insane. Mon travail, il a été récompensé de ouf. Bref, on poursuit. Donc, je vous disais, les jets sur les pas de greffe sont juste insane. 59, 59, 37. Bref, encore un très bon jet. Dommage pour la Vita ici. Let's go. Ok, ça ne passe pas. On va se faire les petits tamis en PA. Donc, pareil, les tamis, c'est du 70 d'intel minimum, 340 de vitalité minimum, 35 de sasa. Et toujours en bas, le reste est toujours full perf. Donc, des très bons jeux, honnêtement. Let's go. Ok, pourquoi pas. Putain, la dinguerie, je reviens pas. Je n'en reviens pas. Oh, ça va me motiver à faire des jets de ouf. C'est rien à redire. On va faire les petits anneaux glaciales. Pareil, anneaux glaciales, vous vous souvenez, avant, je faisais du 30 sasa. Désormais, c'est 240 de vitalité minimum, 55 de chance minimum, 35 de sasa minimum, et le reste toujours full perf. Les crits, les 15 dommages hauts, la fuite, elle est à 8 à chaque fois, enfin au max, et les résistances critiques au max. Donc voilà, des très bons jets. Let's go. Les jets très propres ici. Enfin, je vous annonce, j'avoue que là, je parle pour la vidéo, mais j'ai envie de cut là, les m'allonger, je suis yam, tu vois, je suis yam. Les pions en éventail, mon ref. Oh là 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 là. Ça fait tellement plaisir. Encore un très beau jet ici. C'est un délire parce que les pas de greffe, frère, tout le monde sait que t'as capté ou pas. C'est... Waouh, les jets sont fat. En plus, ils ont toujours un petit côté sexy, tu vois. L'autre, il a un over de 11 vitalité. L'autre, il a un over de 1 dommage critique, tu vois. Non, rien à redire. Rien à redire. Et les deux sont signés. Aïe, aïe, aïe. Tac. Les glaciales, il me reste celui-ci. Ok. On va se faire les anneaux Alistair. Pareil, anneaux Alistair, ça a été revu à la hausse. Désormais, il n'y aura plus de 30 sasa. Il y aura seulement du 35 sasa, encore une fois. Donc, c'est du 240 vitalité minimum, pour ceux qui ne savent pas. 70 d'agilité minimum, 35 de sasa, du coup. Et toujours en bas, full perf. Dommage air, full perf. Esquive PA, full perf. Résistance critique, toujours full perf. Let's go. Oh là là là, ça fait plaisir. Très très belle tenta ici. 1, 2, 3. Ok. Ça fait plaisir, les jets sont très propres. Oh là là, les gars, je suis trop content. Je suis trop 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 content là, c'est un délire. Oh là là, je suis bien, je suis bien. Désolé, je commande plus trop les jets là. Donc 72, 36. Ok, nickel. Nice, 240 de vitalité, 72, 36, let's go. Et 240, 72, 35, tac. Ça ne passe pas malheureusement. Est-ce qu'on peut se plaindre? Je pense pas, hein. Je pense pas qu'on peut se plaindre là. Tac. Ok. On va se faire les alliances Glourson. Du coup, alliance Glourson, j'ai revu pareil les jets. 240 de vitalité minimum, 55-55 minimum en termes de stats chance et agilité. 35 de sasa minimum désormais, avant c'était 30. Maintenant c'est 35 de sasa minimum. Toujours full perf en termes de tacle et de résistance bien sûr. Et j'essaie de maxer l'initiative à 375 à peu près minimum. Donc des très très bons jets PVM, voire PVM quand il y a du 12 d'eau. PVP pardon. Let's go. Ok. Bah par exemple, cette 12 dollars, elle est juste magnifique. Hein. Full perf avec un over de 4 vitalité, moins 5 d'initiative, moins 1 de chance, moins 1 d'agi, moins 3 de sasa. Rien à redire. Allez, pourquoi pas. 1, 2, 3. Dommage, j'ai mal cliqué. Tac. Perf en termes d'initiative, 55, 57, 37. Let's go. Ok. 56, 57, ok. 11 d'eau, j'ai basique. Pourquoi pas, pourquoi pas. Encore une 12 d'eau, je savais pas que j'avais celle-là. Ok, bah une très très belle 12 d'eau. Il manque 3 d'agi, 5 de sasa, 2 de chance. Let's go. Ça ne passe pas, dommage. 245, tac tac, PA. Ok. Ok, j'ai les PVM ici, let's go. Ça ne passe pas. Le fond marin, on va se le garder pour la fin. Parce que ouais, j'aurais pu très bien le vendre comme ça, parce que le G, alors je vous le montre vite fait, le G est juste insane, hein. Il manque 1 de chance, moins 1 de sasa. Le reste est full full perf. Avec moins 7 de vita, avec un 2% de résistance haut. Franchement, c'est pas simple à faire avec le full tac, le full esquive PM. Magnifique. Et je vais prendre mes cojones et je vais le tenter en invocation ou en dommage de sort.
Je me tâte encore un petit peu. Bref, on attendra ça à la fin. Putain, je suis content de ouf. Je suis content de ouf, les gars. Pareil, les cestes de guerre. Concernant les cestes de guerre, 340 de vitalité minimum. Bon, là, j'ai un petit peu... t'as capté, hein. Quand je dis 340, c'est 300, on va dire 336, on va dire minimum. 55 d'intel désormais minimum. 20 de sasa. Je crois que j'ai mis 20 de sasa. Hein. Ouais, avant, je mettais des 18 ou des trucs comme ça. Maintenant, c'est 20 de sasa minimum, voire 21. Toujours en 9 d'au feu, 15 dommages critiques, 7% ici, let's go. Imagine on finit avec un petit 16 de guerre, imagine. En vrai de vrai, Balek. Parce que je viens de passer mon pote là, Balek. Tac, 350, 55, très très bon jet, let's go. Ça ne passe pas malheureusement. 57, 21. Les 16 de guerre, les gars, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est assez hardcore à FM, hein. C'est assez relou. Donc là, les vrais, ils savent que dans les jets, je me suis donné. Hein. Tac. Mais bon, j'ai été récompensé. Ça fait plaisir. Tac. Et dommage pour la Vita, mais le reste est clean. 55, 22. 9 dommages feu, 15 dommages critiques. Ça ne passe pas, malheureusement. Ok. 339, 58, 20, 9, 15 dommages critiques. Ok, let's go. Ça ne passe pas. Alors là, on porte nos cojones. On n'est pas venu. Vous n'êtes pas venu sur la chaîne Albirex pour voir un petit truc de fragile. Là, on va tenter. Donc là, je sais pas. Si j'ai envie de tenter l'invocation, mais on m'a dit dommage sort, c'est plus optimisé. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Moi, je vais rester, je pense, sur mon idée de base. Je vais tenter la rune invocation. La rune invocation me paraît plus propice à ce sujet-là, en fait. Tout simplement. Ah, attendez, il y a une maintenance. Ok. Allez, pourquoi pas, on finit en beauté ou pas? 1, 2, 3. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, allez, pour le fun. Bon, c'est un vieux jet, mais on tente une PA pour le fun. Ok, ça ne passe pas. Bon, bah les gars, on va s'arrêter là. Je vais juste vous reprendre, je pense, HDV, juste pour vous montrer un peu les prix des pas de greffe. Mais je pense que là, il n'y a pas de greffe comme ça HDV. Hein. Ça m'étonnerait vraiment. Les frérots, j'étais en train de regarder là, et effectivement, il n'y a rien HDV, il n'y a, que des G 11 do ou des 12 do vraiment très vite fait par rapport à mes G. Là, on est sur du PA avec 31 de sasa seulement, 11 do match critique. Là, c'est du 12 do, mais il y a 54 d'agilité, 53, et il n'y a pas le maxi, enfin, c'est pas maxi en termes de résistance terre et air. Là, on est déjà sur du 26 millions pour le G, il n'y a pas de sasa. Là, il manque encore les résistances. Il manque les résistances. Il manque les résistances. Il manque les résistances et on est sur du... Non, c'est pas similaire. Les jets sont vraiment pas similaires aux miens. Donc, bon, ça sera plus de 30 M, hein, ça, je m'en doutais largement. Alors, en termes de jets, là, on est vraiment très, très propre. Et il y a toutes les stats qui sont maxées, encore une fois. Donc, voilà, je pense... je vais pas vous dire un ordre de prix, 50, 100 M ou quoi, parce que j'ai pas envie de vous dire de la merde. Et d'ailleurs, je pense les garder et pas les vendre. Suivant la vente qui se fera d'ailleurs, je vous tiendrai au jus. Mais je pense les garder, donc voilà. En tout cas, les gars, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, les gars, d'activer la petite cloche, c'est super important. Et n'oubliez pas aussi, les gars, que sur chacune des vidéos, les gars, tentez votre chance. Vous pouvez gagner jusqu'à 5000 kamakash sur le serveur grid, donc c'est sympa. Voilà, voilà, moi, je vous laisse là-dessus, les frérots. Je vous dis à la prochaine. Lord,